Zerz wie blöde. Made this thing happen, which is a page, a whole actually documentary and
l'intégration du centre. De plus, BICOS est membre de l'Inter-LGBT, Fédération des associations, pôle politique de la communauté LGBT militante. BICOS défend la représentativité bisexuelle et s'attache à ce que soit pris en compte la parole bi dans les projets collectifs. Since 2000, BICOS is also a member of LGBT Paris Center, and also since 2012, because it's also a member of board of directors of LGBT Center in Paris. In addition to that, BICOS is also a member of Inter-LGBT, which is the political pool for LGBT. Initié en 2012, il a été publié en 2015. Sans lui appliquer une méthode de panel, la réception de près de 6000 réponses de personnes de tous âges, de toute orientation sexuelle, donne un éclairage sur la perception, la réalité, le vécu des personnes bisexuelles ou l'environnement dans lequel elles évoluent, y compris dans le regard social qui leur est porté. On le sait, les bis sont très invisibles et effectivement souffrent en silence de leur invisibilité. Ça a permis aussi, c'est un support pédagogique aujourd'hui pour parler de la bisexualité. Mainly we find out how invisible bisexuals are and how they're suffering from this invisibility and not recognition. And today they're using this survey as a training material too, so that it's also a departing point, a starting point to train other people about bisexuality. And the reality of bisexuality. La belle histoire est que BICOS est issu d'une exclusion. La journée de l'internationale de la bisexualité en septembre 2014 était place Stravinsky à Paris. Et si elle a, pu avoir lieu avec autant d'importance, c'est grâce à ses partenaires, donc BICOS, le centre LGBT, FIER, une association féministe, lesbienne, bi et trans, le MAC Jeune, SOS Homophobie, et le FLAG, une association de lutte contre les LGBT-phobies au niveau de la police, la gendarmerie. L'année dernière, nous avons donc fêté la publication de l'enquête, et c'était la première marche en France de des bisexuels. En partenariat avec toujours plus de partenaires et avec en plus aussi Contact, une association d'écoute pour les parents d'enfants LGBT et aussi une association professionnelle Homosphère. Half a minute for your last. Le slogan était « Ensemble défendons la bisexualité ». Cette année, nous allons avoir une deuxième marche, nous vous invitons, et nous allons lancer une nouvelle enquête, cette fois-ci sur la biphobie. Et pour vous signaler aussi, on a fait un accord avec l'association PsyGay pour lutter contre la biphobie dans le secteur de la psychologie. Thank you. Thank you.
Everybody.